Ce message de l'Église de Portail. Tout d'abord, en hein, ce jour spécial, je tiens à vous souhaiter à toutes les mamans une joyeuse fête des mères. Et je sais que c'est un peu polémique. Hein. Quand j'ai commencé dans le ministère, la fête des mères, c'était la journée la plus consensuelle. Maintenant, dans la culture, on ne sait pas si on doit dire la fête des parents. Euh, je sais. Hein, on a un cas au Québec où on a annulé la fête des mères pour parler de la fête des parents. Bon, on est revenu un peu là-dessus, mais. C'est une vague en passant, c'est une vague mondiale où de plus en plus on milite pour annuler ou bannir la fête des pères, la fête des mères qu'on considère comme des fêtes qui ne sont pas assez inclusives. Euh, mais la parole de Dieu souligne l'importance d'une mère et je me sens très à l'aise de vous dire bonne fête des mères. Et dans cette culture où la maternité est quand même attaquée. Hein? Euh, Dernièrement, j'ai écouté une émission de télévision où tu sais, on parle de la, des, des phénomènes de mère porteuse, donc une, une femme qui fait la gestation pour autrui. Euh, on, on dit dans la culture qu'on ne doit plus dire mère porteuse, on doit dire une femme porteuse, parce que cette femme ne veut pas nécessairement être mère. Elle veut porter un enfant, elle ne veut pas être mère. Et même on dit, puis même mère, c'est pas euh, femme, c'est pas ça, on devrait dire une personne porteuse, parce que cette personne pourrait, aujourd'hui, avec la théorie des genres, ne pas se considérer comme une femme. Donc, si tu permets, on va se tenir à ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit Dès le ventre de ma mère, tu étais mon Dieu. Est-ce que je peux entendre Amen Et en ce jour de la fête des mères, je vais commencer en même temps avec une parole d'encouragement. Euh, je suis conscient que c'est aussi, alors que c'est une journée de célébration pour beaucoup, c'est une journée sensible, euh, notamment pour, pour des sœurs qui euh, souffrent d'infertilité. Je veux juste encourager. Euh, on a des cas dans la Bible et. Euh, dans un cas particulier, on a Sarah qui dit N'y a-t-il rien hein, En fait, il y a une parole qui est donnée N'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Dieu est encore capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Euh, et encore, il y a des femmes qui, peut-être tu n'as pas pu avoir d'enfants ou tu ne pourras pas avoir d'enfants. Je vais juste te rappeler que ton identité n'est pas dans la maternité. Un jour, on est venu voir Jésus et on lui a dit Ta mère et tes frères sont là puis il a dit Mais, mais qui est ma mère et qui sont mes frères? Ma mère, c'est celle qui fait la volonté du Père. Donc, euh, ma soeur, ton, ton identité, c'est important, la maternité, je ne veux pas le nier, mais ton identité n'est pas dans le fait que tu peux avoir un enfant ou pas. Ta valeur n'est pas là-dedans. Euh, encore une fois, il y a des gens, c'est une journée sensible parce que tu as perdu une mère. La parole de Dieu dit, ton père et ta mère t'abandonnent, l'Éternel te recueillera. D'autres étaient été abandonnés, tu as peut-être été adopté. Euh, D'autres, je viens de le mentionner, tu as perdu un proche. Euh, on est réunis à hein, chaque semaine autour de la parole de Dieu pour se rappeler qu'un jour... Hein, Dieu essuiera toute l'âme de nos yeux et la mort ne sera plus. D'autres euh, des couples avaient vécu une fausse couche. Hein, et et l'espérance, Dieu a un plan pour cet enfant-là. David, après avoir perdu un enfant, il va dire, euh, « Ce n'est pas lui qui viendra vers moi, mais j'irai vers lui. » Donc, il y a une espérance d'un au revoir, une espérance de la vie éternelle. Donc, cela étant dit... Allons dans la parole de Dieu dans le premier épître de Pierre en ce jour de la fête des mères, où euh, nous sommes dans une série où l'apôtre Pierre veut dire que enseigne que les chrétiens sont des voyageurs et des étrangers. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que les chrétiens doivent être différents. Le christianisme est différent et fait la différence. Et dans le texte d'aujourd'hui, la parole de Dieu parle que les chrétiennes sont des femmes différentes. Les chrétiennes sont des femmes différentes. Et là, vous savez, j'aime beaucoup la parole de Dieu, mais aujourd'hui, c'est un texte qui est particulièrement mal compris par la culture. Euh, reste avec moi. Euh, Permets-moi okay, de, de, de vivre la prédication et je te garantis. Satisfaction, argent, satisfaction garantie ou argent remis. Euh, même si tu n'as pas payé, euh, laisse-moi te donner le temps de t'enseigner ce texte-là. Parce qu'il y a des mots qu'on qu comprend mal, qu'on interprète avec les yeux d'aujourd'hui, et on ne saisit pas les vérités éternelles de la parole de Dieu. C'est comme si, par exemple, euh, après une partie d'hockey, il y a un article dans un, un article de sport qui dit, les Canadiens massacrent les pingouins. À nous, on sait que, on parle d'hockey, on sait que les Canadiens, c'est... L'équipe de hockey, le club de hockey de Montréal. On sait que les pingouins, c'est l'équipe de Pittsburgh. On sait que lorsque, dans, au niveau du sport, on dit que le Canadien massacre les pingouins, on sait que, en fait, l'équipe les, les, de hockey de Montréal a remporté une victoire écrasante sur l'ennemi. Maintenant, imagine un Africain qui tombe là-dessus sur Google, qui n'a aucune idée c'est quoi le hockey, et voit les Canadiens massacrer les pingouins. Il commence à paniquer en se disant. Mais les gens du Canada, c'est des barbares. Pourquoi vous massacrez les petits pingouins? Ils n'ont rien fait. Tu vois, ce qui lui manque, c'est les références culturelles. Ce qui nous manque dans la parole de Dieu, c'est les références culturelles. La parole de Dieu, c'est des vérités éternelles qui sont vraies pour tout le monde, partout, tout le temps, mais toujours dans un contexte culturel. Puis il y a des éléments là-dedans, tu vas voir, euh, ça, ça va frapper tes oreilles, mais il y a une super bonne nouvelle et ce texte demeure la parole de Dieu qui nous enseigne quelque chose aujourd'hui. Donc... Sans plus tarder, 1 Pierre 3, le verset 1 à 7. Donc l'apôtre Pierre continue en disant Vous demain, femmes, soyez soumises chacune à vos mariés. Restez là, madame, restez, s'il vous plaît. Afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur. Cheveux tressés, ornements d'or, manteaux élégants. Même si tu as des tresses, reste avec moi. Même si tu portes des bijoux en or, reste avec moi. Tu vas voir, il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Donc, mais recherchez la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable d'un esprit doux et tranquille, voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Soumise à leur mari, reste assis, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son seigneur. Donc si il y a un couple qui m'écoute, frère, ne dis pas à ta femme fais comme Sarah appelle moi ton seigneur. Okay? parce que je te garantis que tu vas dormir sur le fauteuil ce soir. Mais il y a quelque chose, il y a des éléments qui nous manquent que je vais t'enseigner. C'est d'elle que vous êtes devenus la descendance si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous de même mari Vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. On dirait que Pierre fait exprès, là, il dit Je vais offenser toutes les femmes du monde. Non, encore une fois, reste avec moi. Reste avec moi, ce n'est pas ce que tu penses. Honorez-les comme cohéritières de la grâce de la vie afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Puis en fait, quand on regarde ce texte-là, la première règle en interprétation biblique, c'est on interprète la Bible par la Bible. Et ne prends pas pour acquis que la Bible est misogyne. Hein, la culture veut nous faire croire ça. Des gens qui n'ont jamais lu la Bible veulent nous faire croire ça. Mais la Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme égales, en dignité et en valeur. Dieu n'est pas misogyne. Jésus n'est pas misogyne. Hein, les, les gens, les premières personnes, les premiers croyants qui ont été mandatés pour annoncer la résurrection, ce sont des femmes. Euh, celles qui soutenaient financièrement le ministère de Jésus, encore une fois, c'est des femmes. Hommes et femmes, nous avons un même accès au salut. Galate 3 dit. En Jésus, il n'y a plus ni homme ni femme. Ça ne veut pas dire que nos différences de genre sont effacées. Ça veut simplement dire que notre identité première n'est pas dans notre genre, dans notre sexe biologique, mais notre identité première, elle est en Jésus. Et la parole de Dieu, dans ce qu'on voit ici, en fait, on voit que Pierre continue, il dit Vous de même. Et la semaine dernière, on avait vu que Pierre va parler, va se dire aux gens de se soumettre au gouvernement il va parler aux employés de se soumettre au patron. Maintenant, il parle des épouses et. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait les codes domestiques. Les philosophes enseignaient ce genre de, de trucs. Mais généralement, ils s'adressaient toujours aux gens qui avaient du pouvoir. Donc, c'est la seule trace où tu vois que les chrétiens, l'apôtre Pierre s'adresse à des femmes. Alors, généralement, on s'adressait aux hommes. Maintenant, il s'adresse aux femmes pour leur parler de leurs responsabilités, de leurs privilèges. C'est une révolution culturelle. Les gens étaient choqués à l'époque qu'on s'adresse à des femmes. Donc, tu as besoin, en lisant ce texte-là, j'imagine que tu as plein de questions. Et ça fait penser à ce que l'écrivain Bernard Wabert qui a écrit Les fourmis, notamment, un super bon roman, voici ce qu'il a dit. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre, ce que vous comprenez, il y a dix possibilités de ne pas se comprendre. Mais essayons quand même. Donc, il y a plein de possibilités de ne pas comprendre ce texte-là. Par la grâce de Dieu, je vais essayer de te le faire comprendre. Et en fait, les femmes sont différentes parce que Pierre parle de femmes qui suivent Jésus. C'est ça la différence. Ces femmes-là suivent Jésus. Et j'aimerais parler de la différence que font les femmes qui suivent Jésus. Quelqu'un a dit, une chrétienne est comme une poche de thé. Une chrétienne est comme une poche de thé. Tu ne sais pas combien elle est forte tant que tu ne l'as pas mise dans l'eau chaude. La vie n'est pas facile pour tout le monde, particulièrement pour les femmes. Et ce qu'on voit, c'est qu'alors que tu te démâles après plein de choses, alors que tu es dans l'eau chaude, la chrétienne fait la différence. Parce que comme la poche de thé, il y a quelque chose à l'intérieur de toi, le Saint-Esprit, la grâce de Dieu qui se répand et qui change complètement l'atmosphère autour de toi. Et c'est ce que Pierre a en tête. Et la première chose que Pierre dit, il y a dix éléments de la femme qui fait la différence. Il dit, femme, de même, soyez soumises, chacune, à votre mari. Pas tous les hommes, à votre mari. OK. Premièrement, la soumission, on le voit dans notre culture, lorsqu'on on le lit, on pense à passivité, on pense à infériorité, on pense à résignation, on pense à exploitation. Maintenant, le mot soumission... Et je vais te choquer si tu ne connais pas le christianisme. C'est le verbe clé du christianisme. D'ailleurs, Pierre parle à la soumission de la femme, mais on voit précédemment, et tu peux le lire, il parle de que les chrétiens doivent se soumettre aux autorités. Il dit que les employés doivent se soumettre à leurs patrons. Euh, la Bible dit, Ephésiens 5, 21, que les chrétiens doivent se soumettre les uns les autres. Ce n'est pas un verbe exclusivement féminin. Tous les chrétiens dans différentes sphères de leur vie sont appelés à se soumettre. L'Église se soumet à Christ. Même si c'est un verbe qui est appliqué à Jésus, Jésus se soumet au Père, alors qu'il est égal, pleinement Dieu. En fait, ce qui nous manque, c'est que le mot soumission est à la base d'un terme militaire. C'est littéralement se mettre sous la mission de quelqu'un. Et c'est le verbe clé du christianisme parce que la parole de Dieu enseigne le chrétien et exhorte le chrétien à se mettre sous la mission de Jésus, sous la mission de l'Église. Et dans ce cas-là, la femme de se mettre sous la mission du voyer. C'est-à-dire qu'il y a une cause qui nous dépasse. Le chrétien ne vit pas pour lui-même. Et ce qu'on voit ici, c'est que la femme qui suit Jésus n'est pas un tapis. La femme qui suit Jésus est une guerrière. C'est un terme de guerre. Pourquoi? Parce que la femme sait que Dieu l'appelle à collaborer avec son mari. Nous sommes dans la même équipe. Pourquoi? Pour une cause commune, pour le bien du foyer. Et ce que Pierre dit, encore une fois, c'est non pas ne dites rien, ne faites rien. Ce qu'il est en train de dire, c'est réaliser la cause, la mission de votre foyer. La femme qui suit Jésus réalise que Dieu a une mission pour son mariage. Et ce n'est pas l'échec. Et la femme qui suit Jésus réalise que Dieu a une mission pour son foyer. Elle réalise qu'il y a une guerre spirituelle. Elle réalise qu'il y a des ennemis pour sa maison. Elle réalise, encore une fois, qu'un paquet de choses qui prennent place, mais elle réalise en même temps qu'il y a une seule mission. Et que ce n'est pas la mission du mari, ce n'est pas la mission de la femme, ce n'est pas la mission des enfants. C'est que le foyer se met sur la même mission. Et la femme se met volontairement sous le leadership spirituel de son mari. Et je vais parler des maris dans quelques instants. Reste avec moi. Et Pierre continue en disant Pourquoi Pourquoi Pierre dit Femme, mettez-vous sur la même mission que votre mari. Donc, l'idée, ce n'est pas d'attaquer votre mari, c'est de se mettre sur la même mission, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole. Donc, il parle qu'il y a des femmes dans l'Église des chrétiennes qui ont donné leur vie à Jésus, puis qui sont dans un mariage, puis leur mari est non-chrétien. Afin que si quelqu'un, quelques-uns de vos maris n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Ici, si ce que Pierre dit, c'est que sœur, ton témoignage le plus puissant dans ta maison envers un mari non-croyant ou envers des enfants non-croyants, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Tu peux donner le plan du salut à ton mari. Tu peux lui donner les livres de John Piper. Tu peux lui garrocher des versets bibliques. Souvent de fois, ça ne marche pas. La chose la plus efficace pour gagner ton mari à Jésus, c'est ton attitude. L'histoire nous raconte que la reine Victoria a une chicane avec son mari Philippe. Et une chicane assez, assez intense. Et Philippe est parti dans ses quartiers. C'est juste les rois qui ont ça des quartiers. Moi, moi, chez nous, il faut que je m'enferme dans la salle de bain. Je n'ai pas de quartier. Donc, il s'enferme dans ses quartiers. Et là elle se présente puis là, elle vient pour ouvrir la porte, puis la porte est verrouillée. Plein cogne. Puis il dit c'est qui Elle dit c'est la reine d'Angleterre, ouvre la porte. Pas marché. C'est qui C'est ta reine, j'ordonne que tu ouvres cette porte. Pas marché. C'est qui? C'est ta femme. Il a ouvert la porte. Sœur, tu es un enfant de Dieu, tu es la fille du roi. Mais revendiquer ton statut spirituel continuellement, ça ne change rien. Il vient un moment donné où il faut simplement vivre, être un disciple de Jésus dans ta maison. Et par ce, ça, c'est le plus fort des témoignages. Amen. On continue, verset 3. « N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur. » Et là, on donne cheveux dressés à l'époque, les, les, la mode gréco-romaine au niveau de la chevelure. Tu peux retrouver ça, même tu fais chevelure, coiffure gréco-romaine sur Google, tu vas voir. C'était intense, ça prenait des jours. Ce parle pas des, pas des tresses pour des tresses. Que on, investissait, on investissait de l'argent là-dedans, des ornements, d'or, manteaux, des choses ostentatoires. On mettait beaucoup d'argent pour démontrer qu'on avait de la valeur. En fait, la parole de Dieu enseigne que la femme qui suit Jésus trouve sa valeur en Jésus. Ici, ne soyons pas légalistes. La parole de Dieu n'est pas en train d'interdire les tresses. Il hein, y a des gens qui croient. La parole de Dieu n'interdit pas les bijoux d'or. La parole de Dieu n'interdit pas d'avoir un sac à main griffé. Et toutes les femmes disent Amen. Ce que la parole de Dieu dit, c'est que ta valeur n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Tout le monde va être d'accord avec ça. Ce que la parole de Dieu dit, c'est que ma sœur, ça ne sert à rien d'être la plus belle femme du cimetière. Ça ne sert à rien d'avoir la plus belle coiffure du cimetière. Ça ne sert à rien d'avoir les plus beaux bijoux Sharovski du cimetière. Ça ne sert à rien d'avoir tous les bijoux de Pandora quand tu finis au cimetière. Ce qu'il dit, c'est que la femme qui suit Jésus trouve sa valeur en Jésus. Et vous savez, souvent, et là c'est une opinion personnelle de pasteur, OK Souvent, je trouve qu'on donne la mauvaise chose à nos femmes. Vous savez, souvent, dans les, des conférences, des événements ou dans des livres, lorsqu'on a un message de la fête des mères, ce qu'on veut dire aux femmes, on veut, on veut, valoriser, on veut les valoriser. Donc, on, veut, on pense que leur plus grand problème, c'est leur estime personnelle. Et oui, c'est un problème, mais ce n'est pas ton plus grand problème. Donc, on passe un, un message de la fête des mères à dire aux femmes Tu es une belle perle précieuse de valeur choisie par Dieu. Ce n'est pas que c'est faux. C'est que tu as besoin de quelque chose de plus robuste que ça pour t'aider à passer au travers de ta vie difficile. Il y a une théologienne qui a écrit la chose suivante. Permets-moi de le lire. Okay? Voici ce qu'elle dit. Elle dit, « Vous voyez, je ne suis pas si spécial que cela, et vous non plus. Un regard honnête sur notre humanité révèle cette vérité. Toute femme qui a fait une certaine réflexion sur elle-même sait que ses luttes, ses insécurités, ses péchés ne sont pas uniques. Ils font partie de l'être humain dans un monde déchu. De plus toute femme connaissant la profondeur de sa propre insuffisance constatera que ces platitudes christianisées de la beauté et du fait d'être choisie sont totalement insuffisantes pour les victoires quotidiennes. Si je jugeais le christianisme par ses conférences pour femmes, je serais amené à croire que la Bible n'est rien de plus qu'une série de compliments de Dieu à l'homme. Au lieu de cela, la vraie histoire est beaucoup plus humiliante. Jésus n'est pas venu sur terre parce que nous étions belles, spéciales ou grandes. Il est venu parce que nous étions trop pécheurs pour combler le fossé entre nous et Dieu. La vérité est que je ne suis ni belle, ni spéciale, ni unique. Je suis né dans le péché, enclin à la rébellion. Mes insécurités et mes peurs sont trop profondes et palpites dans mes veines sans sang d'Adam. Ils ne peuvent pas être extirpés par des encouragements peu profonds. Ce dont j'ai besoin, ce dont chaque femme a besoin, est une solution profonde. Au problème du péché, l'insécurité n'est pas le problème. La peur, la mauvaise image de soi, les problèmes de mariage, ce ne sont pas, ce ne sont que des symptômes de la vraie maladie. La maladie, le péché, nous l'avons tous. Nous avons besoin de liberté, pas de compliments. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Et c'est ce que Pierre est venu enseigner. La femme qui suit Jésus trouve sa valeur en Jésus, trouve le sens de sa vie en Jésus. Et Pierre continue en disant Quand tu fais ça, donc, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable, d'un esprit doux et tranquille. La femme qui suit Jésus devient comme Jésus. Vous savez, il y a un principe théologique qui dit On devient ce qu'on adore. Par exemple, les, les jeunes filles qui suivent les influenceurs sur Instagram, qui les voient toutes minces, bronzées, en bikini, veulent reproduire ce mode corporel. Euh, quand tu as des jeunes, ah, moi, j'ai des, des amis de la famille, on les a gardés, puis les jeunes arrivent à la maison et disent Yo, gate, on est dans le hood! Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi? Parce qu'il y avait des. Il voit des, 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 les gangsters rap, là, tu sais, il, il a 13 ans, il habite à Fabreville, puis lui, il pense qu'il est dans le hood, là. Okay? Tu reproduis ce que tu admires. Euh, dans le sport, hein? Ton jeune qui joue au basket, hein? je suis le LeBron. LeBron. L'autre, ok, ah, moi je suis mec David. Pourquoi? Parce que tu, on devient ce qu'on vénère. Si tu admires ceux qui admirent Donald Trump, deviennent comme Donald Trump. On lit les, les paroles, le comportement, l'attitude de Donald Trump. Si tu vénères Oprah, tu, tu quand Oprah recommande, tu veux lire le livre d'Oprah. Pourquoi tu veux faire comme Oprah? Pourquoi? Parce qu'on devient ce qu'on admire, ce qu'on honore, ce qu'on adore. Maintenant. Les chrétiennes sont différentes parce qu'elles adorent Jésus elles deviennent comme Jésus. Et ce qu'on voit ici, c'est que elles deviennent douces et tranquilles et paisibles. Et ça fait allusion au cœur de Jésus. Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. La femme qui suit Jésus espère en Dieu. Verset 5. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenu la descendance. Ok. Sujet super important. Puis on voit Sarah qui appelle Abraham son Seigneur, puis qui obéit. Puis déjà, là, on a le goût de crier. Mais, mais tu as besoin de comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu dit, puis c'est vraiment puissant. La clé du verset, verset 5, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. La femme qui suit Jésus espère en Dieu. Et pourquoi est-ce que Pierre rappelle un épisode de Genèse 18-12 où Sarah va appeler Abraham mon Seigneur. Ah, moi, j'ai déjà tenté de faire ça avec ma femme, ça n'a pas marché. Je moi mon Seigneur, ça n'a pas marché. OK, tu as besoin de comprendre que Seigneur, dans les temps bibliques, ça veut dire monsieur. Et la citation, l'allusion de l'apôtre Pierre, c'est encore une fois, je l'ai dit, Genèse 18-12, c'est lorsque Sarah se présente et elle est infertile, elle ne peut pas avoir d'enfant, la parole de Dieu lui est, lui est donnée puis elle lutte. Puis elle dit, mais, mais moi je suis âgée et mon Seigneur aussi est âgé. Qu'est-ce qu'elle qu qu veut dire? C'est qu'en fait, si je contextualise, elle dit Moi, je, je suis vieille, puis mon homme, mon homme il est vieux. Hein, on dit ça, mon homme, mon homme il est vieux. En fait, ce que Pierre dit, Sarah, elle est honorable. Pourquoi? Parce qu'elle ne, ne laisse pas l'infertilité tuer son couple. Elle espère en Dieu. Non seulement elle espère le miracle, mais elle sait que son couple c'est plus fort que la maternité. La maternité est une grande bénédiction, mais elle sait que quand la parole de Dieu dit que la corde à trois brins ne seront pas facilement le troisième brin c'est pas les enfants. C'est Dieu. Et Sarah, elle est prise en exemple. Pourquoi Parce que dans ces moments difficiles où elle ne peut pas avoir d'enfants, elle persévère dans son mariage. Elle refuse de laisser l'amertume contaminer son mariage. Waouh, c'est beau. C'est beau. Et Sarah est prise en exemple. Pourquoi? Parce qu'elle a été sous la mission d'Abraham alors que son mari a pris plein de mauvaises décisions. Abraham, deux fois, a fait passer Sarah pour sa sœur. Et Sarah est demeurée fidèle, loyale à son mari. Il y a des sœurs comme ça qui m'écoutent. Tu es fidèle à ton mari, tu es loyale à ton mari, tu es soumise à ton mari, c'est-à-dire tu es sous la même mission. Puis, tu subis les mauvaises décisions de ton mari. Je veux juste te dire que Dieu voit, continue d'espérer en Dieu. Continue d'espérer en Dieu. Il y a des femmes qui ont l'impression qu'elles ont perdu toute influence sur leur mari. Leur mari s'est fermé. Continue d'espérer en Dieu parce que Dieu garde toujours son influence sur ton mari. La femme qui suit Jésus espère en Dieu. C'est le sens. Pas, on n'est pas en train de faire l'éloge de la passivité de Sarah. On est en train de prendre en exemple sa foi dans des temps difficiles. Puis il dit, c'est d'elle que vous êtes la descendance. Dernière portion du verset 6. Si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Hein, Sarah a persévéré à faire le bien et n'a pas laissé la crainte de son mari ou la peur de son mari ou la peur de ce que son mari va dire affecter sa foi. En fait, si le trou n'a aucune crainte, c'est la crainte de Dieu. C'est que Sarah avait une plus grande crainte de Dieu que son mari. Puis il y a des femmes comme ça ici. Peut-être ton mari est non-croyant. Persévère. Ton allégeance première, c'est toujours à Jésus. La femme qui suit Jésus est courageuse. C'est ce qu'on dit. Sarah était sans père. Pourquoi? Parce que sa foi lui donnait un courage de persévérer. Il y a des soeurs et des amis qui m'écoutent. Tu te démènes dans ta vie. Il y a des mamans monoparentales. Tu te démènes, tu t'agites, tu te portes le foyer à bout de bras. Il y en a d'autres. Tu es dans un mariage difficile. Puis tu as cette persévérance. Tu continues de prier. Puis c'est difficile. Puis tu t'accroches, tu refuses, tu refuses de te laisser aller, disons on va divorcer, puis tu te bats, puis tu te bats, puis tu te bats, puis tu, te bats, puis tu te dis est-ce que ça mène à quelque chose? Puis il y en a d'autres, c'est tes enfants, puis tu as l'impression que tu t es là, tu tires le foyer à bout de bras, personne ne le voit. Hein? Puis c'est comme la petite grenouille. Tu as déjà entendu parler de cette parabole des deux grenouilles qui sont tombées dans deux seaux de lait. Ils sont tombées dans un seau de lait. Et là, la première a dit Ah non, c'est du lait, puis. Et là, elle tentait de survivre, puis à un moment donné, elle était fatiguée, parce qu'elle dit « Moi, j'abandonne. Je ne peux, je, je peux pas continuer de persévérer. C'est trop difficile. » Et elle s'est noyée. Mais l'autre a pris courage, puis l'autre grenouille a continué de s'agiter, puis a refusé d'abandonner. Elle a dit « Je ne peux pas faire grand-chose, mais il y a une chose que je peux faire, c'est ne pas abandonner. » Elle a continué, elle a continué, elle a continué, elle s'est agitée, elle s'est agitée. Et tranquillement, le lait est devenu de la crème, et c'est devenu du beurre. Et tout à coup, elle a pu sortir. Maintenant, l'interprétation de cette parabole, ce n'est pas Travaille fort par toi-même, tu vas y arriver. C'est pas ça. C'est que la femme qui suit Jésus est courageuse. Pourquoi? Parce que c'est ta foi qui te donne du courage. Parce que tu sais que Jésus, a le dernier mot, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. J'ai vaincu le monde. La femme qui suit Jésus est courageuse grâce à sa foi en Jésus. Et là, on arrive à la portion où Pierre s'adresse aux hommes, verset 7. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. OK. Plus faibles, comment? Est-ce que la parole de Dieu enseigne que les femmes sont plus faibles intellectuellement que les hommes? Non. Non. Et par expérience, je connais un paquet de femmes qui sont beaucoup plus intelligentes que les hommes. Donc, c'est clairement pas, on ne parle pas d'intellectuellement. Est-ce que les femmes sont plus faibles émotionnellement? Oh non. Oh non. Très, très, très humblement, je trouve que les femmes sont plus tough que les hommes. Nous, on a une grippe, c'est une grippe d'hommes. Okay? La femme, il va quasiment y manquer un bras et elle va continuer de faire ses occupations. Donc, clairement... La femme n'est pas plus faible émotionnellement. Est-ce qu'elle est plus faible moralement? Non. Les femmes d'intégrité. Est-ce qu'elle est plus faible spirituellement? Non. Va dans une réunion de prière, tu vas réaliser. Qui chauffe la réunion de prière? En fait, c'est tout simple. La Bible dit quelque chose qui est comme une évidence, mais qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'il est tabou. ce qu'il dit, c'est que la femme est plus faible physiquement. Puis il y a une application. Après, il y a des gens qui sont. Il y a des gens aujourd'hui qui vont s'élever contre ça, disant, ben non, c'est pas vrai. Moi, j'ai un argument théologique, en enfin, fait un argument philosophique très, très, très profond pour soutenir ce que Pierre est en train de dire. J'appelle ça le pot de cornichon. Tous ceux qui disent, ce n'est pas vrai, les femmes sont aussi fortes que les hommes aujourd'hui, puis, ok, juste l'expérience quotidienne. Quand ma femme est incapable d'ouvrir un pot de cornichon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient me voir. Merci, bonsoir, j'ai prouvé mon point. Qu'est-ce que Pierre enseigne? Les hommes doivent reconnaître que les femmes ont besoin d'être traitées avec délicatesse. C'est simplement ce que la. C'est une évidence. À nous, à la maison, on a, on, a un, on a un plateau de cristal. Puis en fait, ici, c'est la tradition des fois qui nous, qui, qui, qui nous fait penser que c'est la, la Bible est misogyne, mais en fait, Pierre ne dit pas que les femmes sont des êtres plus faibles. Littéralement, c'est des vases plus faibles, plus précieux. À nous, à la maison, on a un plateau de cristal qui a été donné par la grand-mère de ma femme. C'est quelque chose d'extrêmement précieux, mais qu'on traite avec précaution parce que c'est fragile. Ce que Pierre dit, c'est, les gars, faites attention aux femmes. Faites attention aux femmes. Puis il y a deux applications. La première, il dit, verset 7, vous demain, Marie, vivez chacun avec vos femmes en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Okay. Ça veut dire quoi? Premièrement, si tu es un disciple de Jésus et tu es en relation avec une femme, la meilleure manière et la première manière de l'honorer, c'est de la marier. Clairement. Pierre dit Vous de même, Marie, vivez chacun avec vos femmes. Donc, la femme qui suit Jésus ne doit pas être maltraitée. La meilleure manière de traiter une femme avec qui tu es en relation quand tu es un disciple de Jésus, c'est de la marier. Premièrement. Deuxièmement, les commentateurs disent que ce qui est sous-entendu, c'est que plusieurs femmes qui sont mariées avec des non-croyants, qui ont donné leur vie à Jésus, et à l'époque, la, la violence conjugale s'était répandue et acceptée. Et Pierre parle aux hommes de l'Église en disant, si vous êtes des disciples de Jésus, vous ne levez pas la main sur votre femme, vous ne brutalisez pas votre femme, vous ne frappez pas votre femme. Qui dit vous prenez soin de votre femme. Donc je prends pour acquis que tout le monde qui m'écoute m'écoute ses disciples de Jésus. Je ne suis pas naïf. Si il y a un homme qui m'écoute qui suit Jésus et tu te sens concerné, arrête maintenant. Tu arrêtes maintenant. Non seulement c'est criminel, c'est un affront à Dieu. Et si vous avez des gens autour de vous dont vous savez que la dame subit de la violence conjugale. Ouvrez la bouche. Ce n'est pas nouveau. La parole de Dieu dit, ouvre la bouche pour celui qui est maltraité dans les Proverbes. En ce moment, les chrétiens disent, mais ce n'est pas de mes affaires. Oui, c'est de tes affaires. Si quelqu'un se dit disciple de Jésus et violent avec son épouse, ça devient de nos affaires. Parce que non seulement il ne prend pas soin de l'épouse que Dieu lui a donnée, mais il discrédite le nom de Jésus. Donc, si tu es un croyant et que tu es au courant que ton beau-frère, que quelqu'un, ton frère, peu importe, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un ou deux frères et tu vas faire une intervention. C'est ça être spirituel. Donc, c'est ce que Pierre a en tête quand il dit que les femmes sont des êtres plus faibles. En fait, c'est des vases plus fragiles. La femme qui suit Jésus ne doit pas être maltraitée. Je pense que 100% des gens vont dire Amen. Il continue en disant, honorez-les comme co héritière de la grâce de la vie afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. La femme qui suit Jésus doit être honorée. Mon ami, si ton épouse suit Jésus, tu es béni. Honore-la. Elle n'est pas parfaite, mais honore-la, c'est une grâce. Si ta mère, si ta maman suit Jésus et t'a enseigné la foi chrétienne, c'est une grâce, tu es béni. Honore ta mère. Si ta fille suit Jésus, c'est le plus grand des héritages, tu es un homme, tu es une femme bénie, honore-la. La parole de Dieu dit, honoré, honoré. Pourquoi? Parce que la femme qui suit Jésus est cohéritière. J'ai presque terminé. Honorez-la, donc à la fin du verset 7, comme cohéritière de la grâce de la vie. Je profite de l'occasion si quelqu'un ici m'entend. Et tu, tu m'écoutes maintenant depuis à peu près 30 minutes, puis tu t'identifies à certaines choses, mais il y a beaucoup de choses que tu ne t'identifies pas. Tu dis, il y a des beaux principes, mais tu parles de la femme qui suit, qui suit Jésus, ce n'est pas moi. Tantôt, quand tu parlais d'un besoin, on a besoin d'être libéré. C'est moi, c'est moi. Mais, mais je ne peux pas totalement m'identifier. Mais mon ami, tu peux, tu peux, tu peux. Le plus beau cadeau que tu peux recevoir aujourd'hui, c'est de recevoir la grâce de la vie. Parce qu'on ne vit pas seulement pour ce temps on a une espérance de la vie éternelle. Jésus est venu mourir pour toi il est mort à la croix pour toi. Confie-toi en lui, suis-le. Il va donner un change à ta vie, un, change, un sens à ta vie. Il va te faire découvrir ta véritable valeur. Il va te pardonner, il va te libérer. Il va marcher avec toi. Il va bénir ta vie. Il va ouvrir des portes. Dans les moments difficiles, il va être avec toi. Il va essuyer tes yeux qui pleurent. Il va guérir tes blessures. Il va te porter dans ses bras. Mais toi aussi, tu peux être une co-héritière de la grâce de la vie. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai à faire? Quoi, il tient de la grâce. La grâce, c'est un cadeau immérité. Il n'y a rien que tu peux faire pour le mériter, rien que tu peux faire pour le gagner. La seule chose que tu peux faire, c'est de, de le recevoir par la foi. Là. Et finalement, et, et ce passage, dernier passage pour moi, c'est quelque chose de, je trouve ça, wow. Okay, je connais ma Bible, mais je ne me rappelais pas de ce principe. Honorez-les comme co de la grâce de la vie afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. La femme qui suit Jésus impacte tes prières. La manière que tu traites ta femme, que tu traites les femmes autour de toi, ont une influence sur l'exhaustion de tes prières. Tu peux prier. Tu peux dire Seigneur, j'ai besoin d'un gros contrat à Job, j'ai besoin. Mais mon ami, si tu traites mal ta femme, tu pries en vain. Parce que la manière que tu traites ta femme, ça fait obstacle à tes prières. C'est comme vouloir aller travailler lorsque tu as une voiture, un sabot de Denver. Il y a un obstacle. Maintenant, tu ne vas pas y arriver à force de jeûne, tu ne vas pas y arriver en priant plus fort, en donnant plus à l'Église. Tu vas régler ça en vivant comme un chrétien. Pourquoi? Parce que Dieu n'honore pas celui qui déshonore son leadership spirituel. Alors que les hommes ont un leadership spirituel, quand on maltraite nos épouses, quand on ne les traite pas bien, ce pas juste les maltraiter, des fois, ce juste pas bien les traiter. On utilise mal notre leadership spirituel. Et Dieu n'honore pas celui qui utilise mal son leadership spirituel. Qui utilise son leadership spirituel, son leadership spirituel pour blesser au lieu de guérir. Un jour, il y a un ange qui arrive à un homme et lui dit, euh, Dieu m'envoie pour te dire qu'il est prêt à t'accorder, à exaucer ta plus grande requête. Là, je ne cherchais pas ça dans la Bible, okay? c'est une histoire. Puis là, il me dit, ah, ah oui, ok, il dit. Bon, mais moi, j'ai toujours rêvé d'aller en Europe, mais j'ai peur de l'avion. Donc, ce que j'aimerais, ma prière, c'est que Dieu me donne un pont qui va du Québec jusqu'en Europe. Comme ça, je vais pouvoir me rendre là-bas sans prendre l'avion. Et là, l'ange lui dit OK, Dieu peut faire des choses impossibles, mais, mais, mais ça ne marchera pas. Ce n'est pas réaliste. C'est comme, imagine, le pont va être tellement grand, tellement long. Euh, comment est-ce qu'on va le faire tenir? Comment est-ce qu'il va être soutenu? C'est comme. Ça ne marchera pas, demande autre chose. OK. Moi, ma femme me dit toujours que je ne la comprends pas. Donc, ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais que Dieu m'accorde la grâce de comprendre les femmes. Je veux comprendre ma femme. L'ange le regarde et dit OK, il dit Ton pont, là, tu veux deux ou quatre voix. Là, souvent, il y a plein de choses qu'on qu ne comprend pas sur les femmes. Mais tu peux comprendre que la manière que tu traites ta femme influence ta vie de prière. Donc, quand on regarde à ça, la parole de Dieu nous enseigne en ce beau jour de la fête des mères que le christianisme fait la différence. Pourquoi Parce que Jésus fait la différence. Et à la colère qu'on regarde à nos épouses, à nos filles, à nos mères, à nos sœurs, à nos amis qui servent Jésus, on peut rendre grâce parce que oui, ce sont des femmes différentes. Ce sont des femmes qui font la différence autour d'eux. Donc, à toi qui m'écoutes, vraiment, je prie que Dieu te fasse grâce, que Dieu en ce jour te fortifie, te donne ce que ton cœur désire, et à tous les autres, que Dieu nous donne aussi la grâce d'honorer ces femmes qui sont dignes d'être honorées. Prions. Seigneur, en ce jour de la fête des mères, nous voulons te rendre grâce pour, euh, seigneur, pour toutes les femmes autour de nous, particulièrement pour, pour les mamans. Je te prie que tu puisses leur faire du bien, puis on réalise que. Seigneur, une journée pour célébrer les mères n'est pas assez, ce n'est pas un jour. Ce jour ne pourra jamais compenser tous les sacrifices, tout l'amour, euh, tous les, les renoncements que ces femmes ont, ont, ont fait et continuent de faire. Donc, Seigneur, je te prie pour elles, je prie les bénir, je te prie pour, pour les sœurs ou pour les, les, même les, les frères pour qui c'est un jour plus difficile. La Bible nous dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Seigneur, je prie pour euh, celles des couples qui veulent un enfant, tu es le Dieu qui répond à la prière, je te prie, je te prie de, de leur donner, de leur donner ce que leur cœur désire, je te prie de, Seigneur, pour ceux qui ont une condition médicale, Dieu, je te prie de guérir, je te prie, Dieu de miracle, de donner, de donner un enfant à ceux qui désirent un enfant. Seigneur, du même souffle, je te prie de traiter avec les, les batailles de nos cœurs, de ne faire réaliser que notre... Même si la maternité est une grande bénédiction, notre valeur n'est pas dans notre maternité. Notre valeur est en toi. C'est facile à dire. Je sais que c'est plus difficile à vivre. Mais je prie, Saint-Esprit, d'aller dans les, dans les raccoins de nos cœurs et de traiter, de rééquilibrer. Seigneur, je prie pour ceux qui ont peut-être eu une mauvaise mère. Ça arrive. Seigneur, je te prie de, en ce jour, que ce soit ici un jour de, de, un jour de guérison, de restauration. Je prie pour ceux qui ont perdu une mère ou qui ont perdu un enfant. Seigneur, merci. Nous soupirons après ce jour où tu seras toute l'âme de nos yeux. Donc, Seigneur, nous. Alors que nous sommes devant toi, je prie pour chaque personne. En terminant, je prie pour ceux et celles qui n'ont qui pas fait la paix avec toi. Je te prie qu'ils puissent recevoir Jésus. Je te prie pour euh, une amie, un ami qui a visionné, qui visionne cette prédication, peut-être par curiosité comme ça. Et qu'il a commencé comme quelqu'un qui était étranger, ennemi avec toi, et qui termine avec en ayant l'assurance dans son cœur par sa foi en Jésus qu'il est maintenant co-héritière de la grâce de la vie. Donc, Seigneur, je te prie que ce jour de la fête des mères, hein, qu'il ait qu rapport avec toi, que tu sois le centre, parce que nous croyons que même la fête des mères a toujours rapport avec Jésus. Donc, en terminant, reçois notre reconnaissance, notre gratitude, notre adoration, dans le beau nom de Jésus. Amen.